Et yo le stream. Bonjour le stream. Bonjour le jeu. Ah, c'est pas en calvaire, c'est en expert. Calvaire, c'est au-dessus, j'ai pas débloqué. L'expert, c'est combien, 100%? 100%, ouais. Bingo, j'entre dans la partie. Alors... Quelle victoire retentissante! Je savais qu'Asmodan ne ferait pas le poids face à vous. Où sont Adria, Léa et Tyrael? Ils sont dans l'armurerie du donjon, sans doute en train de fêter ça. Vous devriez les rejoindre. Un nouvel allié s'est joint à mon groupe, mais mes ennemis... Asmodan est mort! Mais comment on a réussi à survivre? Asmodan est mort. Adria, quand avez-vous choisi de nous trahir? Alors... Ok... C'est juste pour aller à l'actu suivant. Je reviens le temps de la cinématique. Même au plus.
plus haut des cieux. Les anges peuvent connaître la peur. Presque des frissons. Oh, il a coupé la joue de Diablo. Pas content du coup. Qu'est-ce que tu... Je regarde la cinématique. Contemple une dernière fois la gloire de tes yeux, Imperius. Car bientôt, il ne restera plus rien que le néant. Je suis tombé par terre. C'est toujours la cinématique ? Ouais. Très belle cinématique, hein. L'encodage est un peu chelou. Mais c'est grandiose, j'ai envie de dire. C'est épique. On est toujours pas fini ? Mais pourquoi moi ? Si, là, elle, là, elle est en train de se finir. Acte 4. Adrien Acte Yves. Trahi. Et l'âme de Léa est perdue. Je suis en train de péter un câble avec... À travers elle, Diablo renaît sous la forme du démon primordial. Commande à toute la puissance des enfers. Les cieux tremblent devant lui, et les anges restent impuissants. Bon. Je suis le dernier à pouvoir sauver le monde. Je suis toujours en cinématique. Et le débarrasser du mal. Pour toujours. Pour toujours. Bon, là, c'est bon, normalement. Voilà. C'était très joli, merci. Merci Diablo 3. T'as le son des cinématiques est super fort comparé à mes réglages. Quoi, il veut quoi lui ? Nous sommes perdus. Diablo est... Oh oui, je fais toujours aussi mal. J'ai pas besoin de bouger. Les légions des enfers vont piétiner ton corps. Les ombres vont dévorer ton âme. Ok. Ma mère qui est
essayer de m'appeler, il va falloir que je la rappelle. Proche de la victoire finale. J'ai pas assez de place. Mes sacs débordent. Mes sacs débordent. Mais c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ouais. Je ne peux plus rien ramasser. Eh bien, tant pis. À ma mesure. Un Bishento Lizarazu. Je veux ce Bishento. Pas de m'embêter. Non, merci. Ah, mais si je peux pas le prendre, c'est mieux. Mes sacs débordent. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu moins plus calme. Je préfère quand c'est un peu plus moins calme. Ah ouais. Bon. Tu te crois lui. Goal déchiré, tu te crois bidule, allez, allez. Ah, oh, j'ai mal, je sens rien. Ah, oh, j'ai mal. La magie coule dans mes veines. Ça va me faire trop vieux. Il faut lui parler. Diablo voulait noyer les cieux dans le désespoir, mais j'ai vaincu ses champions et restauré l'espoir. J'espérais. Je suis fier de toi. Je ne peux plus rien ramasser. Tu peux m'attendre ici 30 secondes. Je retourne en ville. Que j'aille vider mes. Combien de temps ? 30 secondes le temps que j'aille vider mon stuff. Oh bah oui, je peux faire ça aussi. Mais pars pas trop loin, j'ai des trucs à récupérer. Non, mais tu reprends ton portail après. Ah bon ? Bah oui. Tu le prends pour revenir et après tu rentres dedans et ça te ramène exactement d'où t'es parti. J'en suis fort aise. Putain, mes coffres ils sont blindés de chez blindés. Il est où le coffre perso là ? Ah, c'est là.
Alors, de la merde, pourquoi pas. Pouf. Allez. Vous trouvez une escroissance en fait. Je me téléporte sur toi. Téléporte. Donc plus bas, il doit avoir un... une escroissance dans laquelle il y a le portail, putain. Chier, elle était tout au bout. Mon esprit est libre à présent. C'était de l'autre côté, je pense. Tu peux me dire qu'elle était juste au-dessus là. Ah. Ah non, c'est pas celle-là. Donc c'est plus bas. Attends, on est passé à côté d'une tout à l'heure, ça veut dire... ça doit être celle-là, mais comme on pouvait pas la détruire... Ah, ou celle-là? Non plus. Ah, celle-là? Non plus. Bon, il va plus en avoir là. Non plus. Ah, je l'ai. Peu de TP sur moi. Aujourd'hui, il suinte la... ouais, allez. Là, faut détruire un... Il y a une bête avec un espèce de portail dans les mains, faut le détruire. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Allons bon. Et je ne suis même pas encore chaud. C'est un truc de fou. Tout à l'heure, moi, dans mon truc, je les ai trouvés, le premier que j'ai trouvé en un coup. Ah.
Je vais leur montrer à tous. L'esprit est libre à présent. Hop 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 hop. Ah là, il y a des anges qui se tapent, est-ce que ce serait pas celui d'à côté? Non. Ah, ça doit pas être loin parce que j'ai... Ouais, ça doit être à côté. Où c'est le jardin qui est là? Sûr c'est lui. Et ouais, je suis trop fort, je le savais. Tu arrives trop tard. J'y suis. C'est lui. Comme dans l'autre, faut péter. Ah bon, on l'a déjà sur la map. Tu peux toujours essayer de te défendre. Si tu voudrais détruire cet Oculus, tu ne peux qu'échouer. Les failles sont refermées. Vous avez dépassé les attentes les plus belles, les amis. Ah. Donc on a le portail de cristal qui à mon avis est en haut. Voilà, ouais, il est en haut. C'est la création tout entière. Je comprends enfin l'humanité. La colonnade de cristal. Je ne peux pas rejoindre les autres. Ils ont un travail à finir. Ils ont un travail à finir. J'aime bien qu'ils se dépêchent. Ne lui prêtez pas attention. Ce combat est le vôtre. Si je n'arrête pas Diablo, il va corrompre l'arche de cristal qui trône sur la cime d'argent, et les cieux seront perdus. Mon destin culmine en cet instant. Avec Tyrael, je vais me frayer un chemin jusqu'au sommet et... Et on s'en fout. On court, on évite les ennemis, on tape les jaunes. Vous attendez pas à ça, hein? Je retourne en ville. Même pas de loot. Passerelle. Cette créature doit mourir. La corruption qui règne ici est tellement plus profonde que celle qui imprégnait les jardins. Tellement plus complète. Diablo sait bien que la... Ah.
Ok. Je mets bien mes orbes, n'empêche, au début. Ouais, mais à la fin, tu pourras jouer un peu comme tu veux. C'est vrai que là, t'es un peu dépendant du build. À la fin aussi, à haut niveau aussi, mais tu peux faire... Par contre, dans des failles comme ça, tu pourras faire un peu tout ce que tu veux. Aou. Par contre, les poutres qui tombent de nulle part. Hein. Non, mais ça fait pas de dégâts. Non, non. Mais elles tombent d'où? Du ciel. Oh, difficulté. La froide main de la mort se referme sur toi. Tu vis un nouvel échec, Tyrael. Nul ne peut arrêter cette corruption. Mais les charmes glacés là. Bien. Un peu. Ah. Je vois la sortie. J'attends que ce soit prêt. La pantade. Là, ils nous jactent juste. Nanana, ils se font buter par... Il reste plus que nous pour tuer Diablo, on est trop fort. Je allez, ne peux on pas va rejoindre Diablo. Les autres. Ouais. Ils ont un travail à finir. Ils ont un travail à finir. Bien qu'ils le finissent. Admire le seigneur de tous les démons. Le gitan dont le nom est marqué sur la boîte du jeu. Il est badass quand même, hein. Très bien, il est légion alors. Non, on va le péter en deux secondes, c'est pas possible. Voilà, deuxième phase. Ça nous téléporte carrément. C'est une phase où ça te téléporte. Moi je comprends, il nous envoie dans le monde des ténèbres. Mais personne n'a jamais pu s'échapper du gouffre de sa propre terreur. Ouais, allez. J'ai peur de rien, Moray, je suis Gandalf. Ah. Oh. On dirait bien qu'on est arrivé à s'échapper du monde où personne n'est jamais arrivé à s'échapper. C'est ta faute. Ah. 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 Ah, je suis le méchant et je peux tuer les gentils. Ya, ya.
Il est mort, hein. Là, fait nanana, et là, il va avoir du loot. Il va avoir pas mal de loot légendaire, normalement. Mes sacs débordent. Il m'a encore donné que de la bite. La vie. L'avenir. On peut passer à l'acte suivant si tu veux. Attends, sauf si t'as plus de place. J'ai plus de place. Ah. Donc je ne passe pas à l'acte suivant. Je fais annuler. Fait quoi, on va en ville du coup? Oui, à l'acte suivant, on arrive en ville direct. C'est pour ça que je te dis. Ah bah, on fait l'acte suivant et puis on va. Voilà. C'est bon là, normalement j'ai pris tout le légendaire, j'ai laissé que de la merde. Nous le dira. Enfin, on n'arrive pas en ville tout de suite, on a trois bonhommes à taper et on arrive en ville. Okay. Bon, je te passe. À la fin, c'est bon, une arme mortelle qui sauva deux mondes du néant. Je vais regarder un peu la cinématique, celle-là je l'ai regardée. Et terrassa le démon primordial à jamais. Comme pour les hommes. Non. Il me fait penser au Seigneur des Anneaux. Le plus grand champion de l'humanité, un Néphalem, la petite musique, s'est dressé face aux ténèbres que dans notre orgueil, nous refusions d'affronter. Et tout est redevenu lumière. Super. Allez, quitte la cinématique. Vous avez bien travaillé, Oradrim. Votre tâche ici est terminée. Et vous devriez tous... fuir. Maltael. Ta-ta-ta. Lui aussi il est épique comme boss. Bon, c'est bon. Mais non, mais je m'en fous de tes actes de merde là, tu me saoules.
Putain, je crois que mon chat a pissé dedans. Ah non, c'est bon. Trouver le creuset des âmes à la travée de Gédéon. Ce n'est pas prêt. Les Néphalem et les empêcher d'interrompre la récolte d'armes. C'est là que réside la victoire de Maltael. C'est quoi, c'est tous les quêtes annexes ? Arrive enfin pour nous sauver. Ma bibliothèque n'est pas loin d'ici. Il n'y a pas de quête annexe. L'Ouest marche et naît des efforts. Il y a des petites quêtes annexes, mais tu les débloques dans les aventures pour elles-mêmes. Pour diffuser sa religion au-delà des royaumes de l'Est. Obsédé par les superstitions de la foi Zakharum. Zakharum. Je n'ai pas assez de puissance arcanique. Rien ramasser. Trouver le creuset des âmes à la travée de Gédéon. Bah, je suis à la travée de Gédéon déjà. Quand même relativement le sol, c'est que des cadavres. Ah. D'échanges explosifs, regardez. Je suis encore plus puissant qu'avant. D'accord. Toi, t'avances tout droit. Non, non, je fais des monstres. Non, j'ai bien les monstres, mais c'est les cinématiques qui te, à mon avis, prennent pas mal. Ouais, puis le temps que je fasse un peu mes setups et tout. Après des années de supplique. Allez vous réfugier à l'enclave des survivants, c'est trop dangereux pour vous ici. Ne soyez pas ridicule, vous me protégez. Ça va me faire trop lourd. Alors qu'est-ce qu'on cherche? Trouver le creuset des âmes à la cour de repos des nobles. Enfin, il là-dedans, il y a masse de stuff. Voilà, il y a un portail là-bas, ça va pas être loin. Tester mes compétences.
Ça doit être là. Ouais, y'a moyen. T'as une flèche ? Ne soyez pas si morose. Vous avez une foule de raisons de vous réjouir. Est-ce que vos visions vous ont montré si ce massacre avait une fin ? Non. Ah, trouvé. Non. Qu'est-ce que c'est quand même abusé comme ils sont victimes les boss. C'était même pas des boss, ça. Enfin j'espère. Il faut que j'attende. Je retourne en ville. Même pas, là actuellement mon sub je regarde même pas, je reprends tout, je fais des dégâts. Même pas ce que j'ai, je recycle. Je sais qui est responsable de cette gabegie. Il a mis le feu, sale bâtard. Ouais. Allez, on va aux auteurs de Oust, autre moustache. Montrer à tous. Tu me dis c'est ton côté, je me téléporterai sur toi. Non, c'est pas de mon côté. Ah, la demoiselle des flammes tuées. Ah.
est arrivé quasiment. Je reste tout droit quand même. Mon savoir s'étend. Il est temps de tester mes compétences. Bientôt. La progéniture démoniaque de ton espèce aura disparu. Ce n'est pas en ce jour que prendra fin l'éternel conflit. Vous amène la vie. Progéniture. Je dois rentrer. Faut que je rappelle ma mère, Gal. Très bien. Je reste là. Hop, je vais à la quête. Et ce sera la petite pause de 5 minutes. J'ai mis fin à la misérable existence du... Vous avez sauvé... Mais nous ne connaissons... Cette femme étrange que vous avez amenée ici pense pouvoir être utile. Elle a insisté pour vous parler dès votre retour. Allô ? Ouais, maman. Thank you.
Mais Panda n'est pas là. J'accepte. Vous n'êtes plus absent. Cheldo, je sais comment trouver Maltael, mais ce que je dois vous dire ne va pas vous plaire. Pour ne pas changer. Il n'y a qu'une seule personne qui sache où trouver Maltael. Elle vous attend dans le marais du sang, et vous la connaissez très bien. Je suis de retour. Adria. Adria. Oh, bah, je suis en game. En game de quoi? De Diablo. Enfin, je suis déjà dessus, quoi. Oh, mais t'étais en ville. Vous n'irez nulle part sans moi. Ah bon? Pourquoi? Ah bon? On est où, là? J'ai sauvé la ville d'Ouestmarsh des griffes d'Urzael et de ses faucheurs. Ses habitants peuvent maintenant reconstruire leur maison et reprendre leur vie. Je me rends avec Lorath dans le marais du sang pour trouver Adria. Il faut que ce soit la seule personne qui sache où se trouve Maltael. Je vais prendre un plaisir tout particulier à lui soutirer cette information avant de la tuer. Allons lui soutirer des informations. Où tu t'es tiré, tu t'es TP direct là-bas. Ce n'était qu'une des entrées de la cité. Il y a des pierres guides éparpillées un peu partout dans le marais du sang qui nous mèneront à l'entrée principale. Cette fois, tu ne t'enfuiras pas, Adria. Mais n'oubliez pas, essayez d'obtenir les renseignements que nous voulons avant de... Je sais ce que j'ai à faire. Ça n'est guère rassurant. Ça n'est guère rassurant. Je vous le conseille. Quoi? Nous sommes en train de combattre ce mal. Dans le verra un très vite. Ils ont senti son odeur sur moi, c'est pour cela qu'ils sont attaqués. C'est une des pierres guides. Tu t'es barré de l'événement, tu lances un événement et tu te barres. Permettez-moi d'y jeter un œil. Si? Bah si. Je voyais le rond clignoter, je croyais que t'étais là-bas. Non, c'est une des pierres d'âme ça, mais l'événement il était en bas. En effet. Parce qu'il faut faire avec ça. La première fois que j'ai vu une sorcière. La cité des Phalèmes possède 4 entrées, chacune gravée d'un sceau. Cependant, un seul de ces sceaux indique la véritable entrée du tombeau. Quand vous activez ces pierres, cela permet d'éliminer un des mauvais sceaux. Je vais me délecter. Aïe! Je ne pensais pas pouvoir devenir encore meilleur. Ah, il y a des portes là-bas, ce serait ça? Ouais, je pense. Bon, le petit piège, coquinou. Le marais a beaucoup changé. Yeah.
secrète, pourriture communiste. Mettre sous le bras. Oh Jage. C'est pas moyen Jage. C'est pas chier en fait toi. Comment je fais pour être si fort? T'attendais pas à ça, hein? Un coffre. Avec rien dedans. Je ne suis même pas encore chaud. Ah, un coup violent, tu à mon avis, t'as mis ton premier... T'as dû mettre ton premier... Mon premier. Avec un coup qui a mis très mal. T'as eu un refait qui fait que quand t'as mis un certain... Quand t'es coupé un certain nombre de damage... Putain, mais j'ai pas ma mascotte. C'est pour ça que je ramasse rien. Ouais, après tu me diras, ça sert à rien de ramasser des trucs. Si, ça sert. Ouais, on ramène quoi, 1000 d'or. Ouais, t'as du coup c'était même pas pièces. Là non c'était roulerie
Cette créature doit mourir. Peut-être en bas, là. Alors, tu aimes ? Ah, c'est là. Les anges et les démons ne m'intéressent pas. Nous produirons notre vie. Vous n'avez pas besoin de vous en ça. Il trouve toujours un moyen. Mais pas à temps pour vous. Vous ne vous êtes jamais sauté. Diable reviendra. Niveau 50. J'ai fait tout ce que je pouvais pour m'en assurer. Avant de mourir, elle cherchait Maltaël. Je retourne en ville. Oh, à chaque fois qu'une gemme apparaît, une gemme du même type que celle enchâssée de votre chasse apparaît aussi. Ouais, c'est pas chute. Il me faudrait du verre. Est-ce que j'ai du verre? J'en fabriquer tout de suite sinon. Je retourne en ville. Non, j'ai pas une émeraude. J'en ai qu'une dans le pantalon. Oh, putain, j'ai chier. Découvert que Maltaël se cachait à Pandémonium. Alors il doit se trouver dans la forteresse. Maltaël pourrait y soutenir un siège jusqu'à la fin des temps. Il nous force à venir à lui. Il se cache et patiente. Il espère qu'en nous retardant suffisamment longtemps, il deviendra plus puissant. Trop puissant, même pour moi. Le seul accès à Pandémonium passe par les cieux. Mettons-nous en route sur le champ. Qu'est-ce que c'est? All right. Détruisez la porte! Le Néphalem est ici. Merde. Ah, allez, impérialiste, il va tout péter, impérialiste. C'est un fou, impérialiste. Tu vas voir comme c'est un fou. C'est un de mes passages préférés de Diablo. Tu as des énormes vagues et impérialiste, il arrive. Attends, je suis dans une cinématique. Les tentatives de Maltaël pour m'empêcher d'en. Voilà. Quand je reviens d'une cinématique, il y a toujours tout qui est défoncé, tu sais. Je suis là. Tu vas voir, c'est drôle, il y a des barricades avec plein de monstres, genre ça. On commence à les péter et tout. J'ai essayé d'en péter un maximum parce qu'après quand il arrive, il prend tout. Personne ne m'attaque. Merci Imperius. La passion. Ah, ça pique.
cas sont des ennemis. On va se taper ou... Enfin, on va se taper contre... Votre gratitude. Lui, non, il est gentil. C'est un copain. Lui. Je ne peux plus rien ramasser. Je vais les rusher, les runes de ciel. Ah, vas-y. J'arrive. Ouais. Je vais rusher avec toi. Si t'en, si t'en trouves une autre, c'est cool. Ok. Ok, j'attends. Oh non, c'est un événement annexe ou ça. Ouais. Mais. Pour mal, ils sont cons. Alors, cher là, c'est quoi ce bordel? J'ai pris un coup. Je vais mourir. Ça va. Tu as un pied dans la tombe. Je dois attendre. Ah, j'en ai une. Faire ça. Faut faire quoi pour la récupérer les runes de ciel? Je sais pas, faut le taper, mais. Je suis un peu en PLS là. Non, là j'essaie de m'échapper. Je pense qu'il faut taper les boss et tout. Je suis en train de te courir après, je crois donc. Allez, meurs! Voilà. Ah c'est ça. Ah non, ça c'est un portail. Royaume de Bani, non, c'est nul. Centre. On ne sait merde. Comment y a rien, il parvient à dissimuler son corps en se déguisant dans sa mère. Ça aurait pu être un. Ceux qui le traversent sont piégés dans un monde lointain. Un royaume des licornes. On ne le voit jamais. Oui. Y'a rien là. Sur le boss, il y avait un point. C'était une espèce de zone sous un dôme. Tu
pètes le dôme et après t'as plein d'ennemis qui peuvent. Okay. Par contre, là, on a fait quasiment toute la map, ça se passe comment? Ah non, en bas. Ça, hein. Ah, j'ai une pièce. C'est bon, celui-là. Putain, il est loin. Comme accès de bélier depuis l'avant-poste. Bon, comme on a fait toute la map, on a déjà le point sur la map. Ok. Une fois qu'on aura battu Tyrael, on ira faire une faille sup. Tiller. Je t'ai attaqué à Tiller. T'as pas honte. Les niveaux Tiller. Mes sacs débordent. On y va. Sur le bélier.
sortait pour nous empêcher de... Détruisez les crochets! Nous ne pouvons pas progresser tant qu'ils ne sont pas brisés. Encore un coup et c'en sera fini. Les portes ont été détruites. Allons-y. Parler à Tyrael, tu veux dire... On va essayer de le raisonner, quoi. Non. Tyrael, c'est lui, c'est gentil qu'elle a trouvé. Voilà. Et là, on a deux niveaux et tu as fini le jeu. Bien, hein. T'as passé Diablo. Ouais, c'était cool. Mais le vrai jeu commence maintenant, en fait. C'est bien qu'il y ait pas mal de difficultés, parce que je le trouve quand même vachement simple. Trouver la prison d'âme au niveau 2. Oh. Wow. Néphalem, la pierre d'âme noire a traversé le portail pour se rendre sur Sanctuaire. En cet instant, elle répand la mort sur votre monde. C'est ainsi que prend fin l'éternel conflit. Toujours pas compris exactement comment on passait les cinématiques. Escape ou échappe. C'est vous. J'ai besoin d'aide pour vaincre Maltaï. Sous sa forme actuelle, je ne peux pas le blesser. L'époque où nous explorions la magie me manque souvent. Je me rappelle également cette époque avec Sandra. Mais je n'ai rien à vous apprendre. Néanmoins, vous serez toujours mon ami. Et vous n'avez pas besoin de demander mon aide. Elle vous est toute acquise. Les autres esprits capturés et moi avons de grands pouvoirs. Mais cela ne suffit pas pour nous libérer. Si vous y parvenez, nous pourrons vous libérer. Tester mes compétences. Tu bosses demain ? Non. J'aimerais pouvoir faire ça. Oh, mais il bloque le passage. Pour devenir encore meilleur. Ah, c'est bon, je vais. Voilà, maintenant on a une petite série de portails à prendre. L'essence même de la création est révélée. Est-ce cela que l'on appelle la mort? Vous n'êtes pas mort. On va prendre ça. Cela veut dire que je peux le blesser mortellement. Voilà celui dont je me souviens.
Oui, vous êtes prêts et vous avez les moyens de détruire. Ah, c'est peut-être pas par où t'es allé du coup. Mais n'oubliez pas. Je sais pas, j'avance. De votre péril. C'est la morgue. Et voilà, tu peux te taper sur moi si tu veux. Moi, je dois être à côté. Ou appuyer sur accepter quand ça va proc. Oh bah t'étais à côté. Ah ouais. Bon, lui quand même, essaye d'esquiver les tourbillons blancs qu'il met au sol. Parce que je te garantis pas que ça te tue pas ça, tu vois. Ah ouais. La fin est inéluctable. C'est... Eh hey, frère, t'es une victime. Ouais, petite cinématique pour montrer qu'il est... Je prends la puissance. Votre temps est révolu. Mes grosse victime. Un peu moins Diablo quand même. Toujours plus de puissance. Le loot. Ça va me faire trop lourd. Allez, prends la tirelle. T'es plein ? Ouais. Je ne peux plus rien ramasser. Alors là. C'est bon pour toi ? Pas exactement. C'est pas grave. Hein. Sauf si t'es un légendaire, sinon. Ouais, je débloque vite fait un légendaire. Faut pas les analyser ici, hein. Faut les analyser au livre de Quint. Ah bon? Je vais te montrer. Hop! La partie se termine. Où se trouve la pierre? Molten. Alors la... Ok. Merde, j'ai fait revenir au menu principal. Non, c'est ce que fait le hockey. D'accord. Voilà, bien joué, félicitations. Phalem avait réalisé l'impossible. Conquérant la mort, il avait racheté les anges et sauvé toute l'humanité. Et là, tu vas voir, ça va être trop te faire plaisir. À ce moment-là,
La victoire étant à portée de main, je vis le Néphalem sous un nouveau jour. Alors déjà, on va faire ça. C'est un héros capable de vaincre les champions des cieux et des enfers, et un sorcier qui protège les innocents. Aïe, aïe, aïe. C'est un cœur mortel qui bat dans sa poitrine. Et un jour, il sera tenté de succomber à la corruption. Et ce jour venu, aura-t-il la force d'y résister? Ou scellera-t-il notre destin à tous? Félicitations, vous avez vaincu Diablo 3. J'en suis jouasse. Bla 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 bla. Gandalf 53, si si. Du coup là je fais commencer, non, rien à voir. Non, je t'ai invité dans une partie normalement. Vous êtes invité à rejoindre un groupe. Donc là on a 4500% d'or et 8200% d'XP. Non, là c'est moi qui t'ai envoyé un truc, ça. Ouais. Ah, Samplipo n'a pas Samplipo. Merde, paramètres de partie. Est-ce qu'on peut lancer un tourment 6? Un tourment 6, normalement tu dois pouvoir. Comment ça, yes. Si, tourment 6 tu peux. D'accord. Donc là je vais ouvrir une faille. Donc une faille en fait c'est un des mondes aléatoires qu'on a fait avec des monstres d'un niveau fixe. Peu importe l'endroit, c'est là que ça s'ouvre. Hop, t'as les Néphalèmes ou les supérieurs, on va faire une Néphalem. Donc la Néphalem, elle est toujours au niveau de la partie. Là, la partie, elle est tourment 6, donc la faille, elle sera tourment 6. Les supérieurs, par contre, ça s'ouvre avec des clés de faille. Tu vas en obtenir une à la fin de la faille Néphalem en tuant le boss. Attends, je vais poser mon stuff. Tu peux... Ouais, tu un conseil, jette tout ton stuff. Enfin, même brûle-le, hein, brûle-le. Hein. Tu peux tout ce que t'as dans ton truc, t'y balances. Jaune et bleu, tu fais tout disparaître. Ah ouais, ouais. Moi, mon coffre, il y a que des légendaires et des verts dedans. Il y a rien d'autre. Vert et bleu, tu vas voir que c'est vite de l'encombrement. Mais recycle-les, égal. Recycle-les au gars. Parce que tu vas avoir besoin, par contre, des... Tu peux augmenter ton... T'as combien en thunes? 639 000. Est-ce que tu peux augmenter l'armurerie au max? Lui, il augmente au max en formation en bas. Je vais essayer. Tu vas les regagner facile dans la faille, hein, voire le double. Et quand il est niveau max, dans recycler, tu pourras recycler directement tous les jaunes, tous les bleus. Et du coup... Former à niveau 2. Forgeron, hein. Ouais, ouais, forgeron, écoutez. Ok, je crois que je suis au max que je peux là. T'as plus. Et du coup, dans recycler, tu dois pouvoir recycler tous tes jaunes ou tes. Ah oui, non, mais je pouvais déjà avant. Mais. D'accord. Mais très bien. Bon, j'ouvre la faille, hop. Donc tu pourras rien tuer, hein, je te le dis. Si un monstre se touche, un monstre il a... Ils ont à peu près 600 millions de points de vie. Assumez votre pouvoir. Donc là, faut pas que... Recule, sinon tu vas te faire tuer. On veut juste que tu prennes l'XP là, pour le level 70, tes niveaux normalement ils vont fuser.
Ah oui, d'accord. Et là, c'est une petite difficulté, Diablo. Hein. Merde. Ah, faut que tu restes dans la frappe. Ah ouais, t'es revenu sur le rayon. Attends, j'attends que tu revives, voilà, pour que tu prennes l'XP. Les souffles de la mort. Prends les trucs, genre les souffles de la mort et les trucs derrière. Là, normalement, tu vas commencer à avoir des... Le moindre pack d'élite que je vais tuer, tu devrais avoir un légendaire. Enfin, peut-être pas en tournant 6. T'es niveau 53. Là, il y a un beau coffre. Tu dois avoir. Ah, moi j'ai eu un verre dedans. C'est pas moi. Là, faut tout ouvrir. Dans tous les coffres, il peut avoir un légendaire, un machin. De toute façon, tu le verras sur la map. Ah, là, il y a un. J'ai entendu un lutin. Ah, il est là. Bon savoir si. Voilà, là, le lutin, il va te donner normalement. Combien 55 là où je suis, Gal, normalement il y a plein de trucs. T'as un peu de thunes. Là t'as des belles pierres. Ah là il y a un beau pack. Voilà. Tu les vois sur ta map, légendaire c'est les petites étoiles et les objets de 7 c'est des petites étoiles mais vertes. Je t'attends, je vais au niveau suivant. Si t'es pas au même niveau que moi, tu prends pas l'XP. Ok. Il y a plein de trucs sur le chemin, mais je sais pas si ça vaut le coup. Si c'est des bleus et des jaunes, non. D'accord. Faut que tu te focuses. Après, tu peux les prendre, mais de toute façon, ils sont à ton niveau. Tant que t'es pas niveau 70, ce sera pas du stuff que t'auras l'utilité de mettre, de toute façon. D'accord. Non, il y a un lutin. Ouh, ça c'est beau. T'inquiète, je m'en occupe. Je pensais pas pouvoir devenir encore meilleur. C'est un lutin de gemmes, regarde toutes les gemmes qu'il y a qui sont tombées. Savoir si. Et sur le boss, tu auras obligatoirement du légendaire. Et là, la vague, je la speedrun pas, je t'attends, mais. Tu vois, on est à la moitié du truc déjà. Toujours plus de puissance. En fait, la technique du speed farm, c'est carrément rester au début, regarder s'il y a des étoiles qui pop sur la map et aller les chercher. Oh merde, je me suis pris une boule de feu quoi. Tu me dis si ça te dit réapparaître trop. Ou je reste avec toi. Prends les trucs qui s'appellent les souffles de la mort. Je sais pas c'est quoi. Bah ils doivent apparaître normalement, c'est des petites fioles bleues. Ah, une cape légendaire, un anneau légendaire. T'as pas eu de légendaire pour l'instant? Si, y a un truc, mais ça valait pas le coup. Oh merde. Prends-les quand même tous, les légendaires. Hein. C'est... Leur pouvoir peut être utile après. Il y a un cube. Il y a un cube dans le jeu qu'il faut que tu débloques d'ailleurs, qu'il faut qu'on aille te débloquer, que t'as pas pris a priori. Qui te permet d'extraire les pouvoirs légendaires et te les appliquer comme des passifs. Je suis encore plus puissant qu'avant. D'accord. Savoir si tu en. Bon, on est bientôt au boss. Ouais, un petit coffre là. Et pour aller plus haut que la faille, que le tourment 6, il faudra que tu finisses une faille tourment 6 solo. Donc une faille comme ça solo. D'accord. Level combien? 61. Le pouvoir est en moi. Même tu prends une flèche perdue, une balle perdue, t'es mort. Attention, il y a le boss qui va bientôt proc, tu vois, on est presque au. On a presque rentré là-bas. C'est mes grenades hein, qui popent dans tous les sens. Là. D'accord. Oh,
muraille est là. Voilà, il est mort. Ah, tu peux venir sur moi, tu dois avoir des légendaires, des trucs. Je claire un peu la zone. Ah, je peux ressusciter zéro fois. Attends, je viens te ressusciter. Je t'ai ressuscité. Et là, tu dois avoir surtout un truc qu'il faut pas que tu oublies de prendre, qui est la clé de faille supérieure. Et là, on n'a pas fermé la faille. On pourrait farm encore pour que tu... Oh, j'ai les Némésis en plus, trop bien. Les Némésis, c'est des brassards qui ont un passif. Quand tu prends un pylône, tu sais, les pylônes... ça fait pop un groupe d'élite. Donc potentiellement légendaire. Bon. Bah là, tu peux back à la ville. Si vous voulez assumer votre ascendance. Et donc t'as des légendaires normalement. Ouais. J'attends que ce soit. Et au lieu de les analyser, en fait t'as. J'attends que tu sois revenu. Ouais, j'ai rien à analyser. Le bouquin là, livre de cartes. Exactement, tu cliques sur le bouquin et ça te les analyse. D'accord. Oh, la cape de Gravul, ancienne. Alors il y a deux types de légendaires, parce qu'il y a plus fort que les légendaires. Il y a les anciens, donc c'est marqué dessus, hein. Quand tu passes ta souris dessus, c'est marqué légendaire ancien. D'accord. Et il y a les primordiaux. Les primordiaux, c'est ils ont des stats parfaits. T'as une chance de loot de 0,01 à peu près. Mais ça arrive. Et donc là, on n'a pas fini la faille en fait. Donc, moi là, tu vois, tous mes jaunes, c'est ça va recycler, mes bleus recycler, mes trucs normes recyclés. Et on n'a pas fermé la feuille, tu vas prendre encore un peu de niveau, je pense. Quel succès. Voilà. Ok, faut que j'aille vendre mes trucs. Tu dois avoir des cristaux de sang aussi. Je sais pas si t'en as beaucoup. Des cristaux de sang. Non, tu dois pas en avoir. J'en ai ouvert une pour que tu passes. Bordel que. Et donc tu pourras monter aussi. Ah, j'essaierai de. Comme on est dans la même partie tous les deux, il se peut que je loot des objets pour toi. Je vais aller dans la faille. J'y vais avant toi parce que... Combien 119 000 déjà. Ah, ta vie elle a bien monté déjà. Au 27 000. Tu me dis si tu vois des pylônes j'ai pas pris, il faut que ce soit moi qui les prenne. D'accord. Je suppose que c'est en haut. Je suis encore plus puissant qu'avant.
Regarde sur ta map si t'as du légendaire capable, dis-moi. Non, je crois pas. Pas d'étoiles ? Non. Putain, c'est parce qu'on est en tourment 6. Y'a un lutin où je suis. Bon, tu verras sur la route, y'a plein de... Monnaie, monnaie, monnaie. On est où à la moitié de la faille, là, à peu près. Tu peux te TP sur moi, je vais au niveau suivant. Je récupère la monnaie, wesh. Tu t'es pas mis de... T'as pas de mascotte ? Non. Oh, une ceinture légendaire. Ah oui, là, c'est vert, par contre. Ah bah, vert, c'est un objet de set. Ton premier objet de set, c'est quoi ? Bon, on l'analysera après, c'est pas utile de l'analyser maintenant. Ah, d'accord, c'est un casque. Si tu veux le faire maintenant. Ah, un mais casque. Ça, est-ce que ça change quelque chose au niveau des stats de l'objet, par exemple ? Les stats, non, ça reste un... Mais c'est un légendaire. C'est un légendaire plus, le vert, c'est un objet de set. Et si tu... Normalement, ouais, si mais tu le fait de la prendre ici ou au livre, ça change rien ? Ah non, rien du tout. Okay. Par contre, ce qui est chiant, c'est que t'es pas 70. Donc il sera... Tu fais quoi ? Si. Ah, tu l'as analysé, c'est quoi ? Erzas de sagesse de Talrasha. Ah, Talrasha, c'est un build de sorcier qui est complètement pété. Et si tu passes ta souris dessus, tu dois voir que t'en as qu'un, mais que si t'en réunis plusieurs du même truc, ça te fait des énormes bonus. Il y a moyen, ouais. Oh, y'a un lutin. Il est là-haut, je dirais. Il est où ? Je l'ai entendu. Ah non, il est en bas, il doit être là. Il est là. Oh ! Oh, lutin bleu ! Voilà, premier lutin bleu, tu vois. C'est un lutin qui sépare en plein de ses petits lutins. Ça, oh là là. Ah ouais, putain. Ça, c'est jackpot. Je sais pas si je tire encore sur quelque chose ou pas. Non, je crois qu'il y a plus rien. De toute façon, tu fais rien. Je le dis, tu fais rien pour l'instant. Attention, écartons un peu, Gal. Je vais me délaisser. Je suis même pas encore chaud. Bon, là, tu dois avoir du légendaire un peu. Ouais, ouais. J'en ai eu au moins. Ça va me faire trop lourd. Et là, si t'es vraiment full de chez c'est full, à toi le petit ours, non ? Ouais. Oh là là, mais y'a beaucoup trop de choses. Tu chopes les bleus et les rouges, accident, recyclé, tac, 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 et là tu reviens déjà. T'es level combien là, 68 ? Je dois rentrer. Je suis à la ville. Je t'attends. J'ai encore des trucs à vendre. Lorat. Je n'ai pas eu de nouvelles des oralités. Tu vas voir le monsieur recyclé jaune. Ok, entrez, bleu, entrez. C'est un endroit dangereux. Je déteste me dire qu'il serait encore arrivé malheur à des membres de notre ordre. Nous sommes tous conscients de ce travail, mais nous avons fait. Tiens, si tu veux les prendre. C'est des objets spécifiques à ma classe. Bon, je sais pas si tu peux les prendre avec ta classe, mais si tu peux pas, tu les mets dans ton coffre. Il y a un cadenas. Ça peut être, si c'est une cadenas, ça doit être marqué parce que... Ah, parce non, que niveau t'es pas nécessaire, level 70. Ok. Oui, mais t'es level 70. Allez, reviens avec moi. Dans sinon, deux c'est presque moins efficace que ce que j'ai là. Attends, je peux ah oui, mais mes affaires. C'est possible hein, si c'est pas ta classe. Ah, les souffles de la mort, c'est des trucs qui ont un peu une couleur, c'est marqué en bleu. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé maintenant. Faut que tu les prennes vraiment pour ça sert à plein de trucs. Bon, tu me dis quand t'es de nouveau au portail. Je suis rentré dans le portail.
Ok. Donc tu vas XP. Attends. En vrai, faut peut-être que je me TP sur toi. Si tu prends mon drapeau, sinon. À la ville, t'as mon drapeau, tu cliques dessus, ça te TP sur moi. Niveau 3 là. J'arrive. Puissant qu'avant. Le boss derrière toi, il va être là. Bon, il est mort. T'as tout pris ? Ouais. Ok. Quoi, t'es pas level 70? On aurait dû la continuer un peu. Encore un niveau. Ah. Je dois rentrer. Ouais. Fermeture de la feuille dans 20 secondes. Très bien. Bon, on va en faire une autre. On va faire une. Faudra qu'on fasse les primes aussi. Tu me dis quand t'as tout Dave. Et toutes les gemmes là, je les garde aussi. Ouais, tu les mets dans ton coffre. Ouais, mais il faut les fusionner en fait. D'accord. Tu les fusionnes et après tu pourras avoir des. Est-ce que je peux te la donner? T'en auras des comme ça, tu vois, des. Tac. D'accord. Et en les fusionnant, bon, je vais ouvrir une supérieure comme ça. Tu vas monter, tu vas prendre niveau 80, c'est pas tourment 16, on va pas ouvrir ça. Faut ouvrir une tourmente 13. Alors là, par contre, faut vraiment que tu restes derrière. T'as un nombre de respawn limité. Tu prends. Et là, c'est. Ils sont. C'est pas le même niveau que tout à l'heure. Ah, t'as pas accepté? Bah, non, ça marche pas. Oula, attends, mais je viens de me faire dépecer. Vous pouvez rejoindre une faille supérieure. Déjà commencé. Mais. Ça, normalement, ça t'a proposé? J'ai peut-être mis clic. Ouais, t'as fait annuler? Non, non, non. J'ai pas vu de fenêtre. Bonjour Néphalem. Bien que vous ayez vaincu de nombreux et puissants ennemis, il reste beaucoup à faire. Voici une carte de sanctuaire et des mondes qui se trouvent au-delà. Grâce à elle, vous pouvez sélectionner une région pour la voir plus en détail. Cette carte affiche les différents endroits où vous pouvez vous rendre au sein d'une zone. Les endroits marqués d'un point d'exclamation indiquent que des contrats y sont disponibles. Les contrats ou primes sont diverses tâches et défis que vous pouvez effectuer. Quand vous en remplissez un, vous êtes récompensé par de puissants objets. La torche là, moi je vais faire une petite pause de 5 minutes. Sanctuaire a besoin de vous. Ah, faudrait que tu prennes. Oh, tu sais quoi ? Ce monde est sans cesse. Attends, on va aller te faire choper ton level 70 juste. Même les endroits que nous considérions comme sûrs. Je vais sortir, on va aller faire un. Vas-y, TP-toi sur moi. Attends. Tu prends ma. Il est temps de tester mes compétences. Voilà. Et là, tu vas commencer à gagner des parangons. Je suis encore plus puissant qu'avant. Quel succès.
pris quelques parangons. Oh, il y a parangons 3. Aïe aïe aïe. Quel succès. Le meilleur des meilleurs, chef. Ah, tu es gnome, il est là-bas. Tu l'as vu, t'es dit. Oh non. On va le faire, ça va faire un peu booster, puis... Ça, ça s'appelle ce qu'on est en train de faire. En fait, une fois que t'as fini l'aventure, tu peux... On te donne des... Il y a des espèces de quêtes à refaire à des endroits. Et une fois que t'as complété c'est des séries de 5 quêtes. Et bah, ça te donne des caisses avec plein d'équipements à l'intérieur. Et ces équipements, il y a que cette façon-là de les avoir. Ça s'appelle des primes et c'est des équipements qui te permettent de... Bah, de justement tout faire les trucs dont je te parlais avec le cube. Mais bon, il y a beaucoup de trucs encore que... Je pense qu'il faut... Enfin, non, en fait, t'as vu pas mal de trucs du jeu, il reste pas grand-chose après, hein. D'accord. Je ne pensais pas pouvoir devenir encore meilleur. Non, il est où, gros, mais... Tu peux faire accepter. Alors, en combien de temps je vais tuer, gros? Ah. Vous ne pouvez pas... Ah, quoi? Ah, vous ne pouvez pas effectuer ces épreuves en prenant... Ok, c'est parce qu'on est dans la faille. Bon, bah, on retourne à... Vas-y, moi je vais faire ma petite pause. Vas-y. Je retourne en ville. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter là. Il y a ma copine qui va arriver là. C'est parfait. T'es level 70, on en fera un peu si tu veux. Et là, tu vas voir après, tu commences à prendre du plaisir quand tu fais vraiment beaucoup de damage. T'arrives à traverser des trucs un peu. C'est la recherche de stuff après. Ouais. Bah ok, bah j'ai au moins un perso monté au max quoi. Un allié est parti. Les ennemis que j'affronte seront plus faibles. Bisous le stream, vous êtes tous très beaux. C'est vrai. Et je te dis à plouche. Bah peut-être à plouche. Si tu joues un peu ce soir. Ouais, on pourra jouer un autre jeu si tu veux. Vas-y. Tchuss. Yes, bisous Gal. Et du coup, je vais également m'arrêter là. Salut le stream.